bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur Channel Pola TV, la caille haïti.com. Jeudi, c'est mardi 25 juillet 2023 et nous comptons avec vous pour nous porter vidéo d'information ça pour vous. Mais juste avant, nous disons un grand merci à tout le monde, tous les amis compatriotes qui pas jamais lagué nous, qui toujours été connecté sur Channel ça. N'a pas entré droit dans un moment information. Mais au moment où on a parlé là, nous connaissons quoi des bouquets qui tête en bas là, parce que depuis quelques jours, l'homme sans jour, monsieur remette pile à terre, vite l'homme même dans torsel a créé des ordres. Ben Abdou, la police, selon sa porte-parole, PNH là, mais déclaré dans vidéo ça, mesdames et messieurs, ben la police qui contrôle la situation, la police qui contrôle ben tout des autres cap fait yo et qui en pile monde qui quitte la caillou qui descend alors ben prend refuge devant ambassade américaine. Bon on a demandé qui c'est ambassade américaine même utile dans pays ça qui ça utile dans pays ça alors que c'est yo cap dit Ariel fait ceci, c'est yo cap dit Ariel fait cela, une sécurité a valé terrain, yo pas quand même aider dans rien. Au contraire, c'est pi mal yo t'a appelé pour ça pi mal. Bon on passe sur ça. Et bien, mesdames et messieurs, nous connaissons une centaine de monde qui ont même débarqué devant l'ambassade américaine. Mais qui ont beaucoup de balles bandits dans quoi des bouquets, mesdames et messieurs. Et bien, selon porte-parole PNH, la Gary Théosier, la police qui contrôle la situation. La police, eh bien, a fait tout ça qui dépend de eux pour même capable gérer situation ça et une opération tête chargée qui pourra mener là pour ne repousser bandio et repousser bandio même pour population capable retourner la caillou pour population capable ben retourner dans activité yo. Nous pourra inviter ou à gagner tout détail mesdames et messieurs, restez connectés. Bonne écoute tout le monde, n'a tourne. Gary Théosier, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour Johnny, bonjour tout auditeur auditrice Radio Paris. Situation des jours ça pas bon du tout, surtout dans la commune Tabar. Et là côté nous sommes précisés là qui gagnait presque tout recommandement PNH là, toute unité spécialisée dans la police là. Je dis là il y a monde qui doit poser cette question, ça qui a passé comme ça côté la police nationale d'Haïti. Et dans moment n'a parlé là, est-ce que Tabar sous contrôle PNH là? Et moi, juste avant que nous élaborions et pour que moi capable dit et nous relayer là, c'est pas pour nous faire du tac au tac avec ensemble de considérations que nous fait tout à l'heure une analyse de situation que l'a fait et au niveau sécurité et pays. Et ça montre tout et compréhension et en tout le monde et attention tout le monde côté la question sécurité. Hein. Et il y a un point que Johnny fait, et que souvent, que nous toujours fait, et elle a parlé, elle dit que la police, c'est un maillon qui est lié dans la chaîne de sécurité. Et nous croyons que c'est un point qui est extrêmement important, que souvent, dans des points de presse, dans des conversations que nous gagnons avec la presse, que ce soit moi-même, ou bien que ce soit le commandant-chef et France LB, il a toujours parlé de points ça concernant la police, c'est un maillon dans la chaîne de sécurité. Et ça fait que nous toujours fait appel tout à d'autres secteurs qui composent maillon ça de manière pour que, ensemble, pour nous capables de solutionner ou résoudre ou bien améliorer la situation au niveau sécurité. Mmh. Et encore une fois, nous tendons l'autre considération que vous faites concernant la situation générale et sécurité. Et considération ça qu'on fait, réflexion ça que la produit tout, mais au niveau du commandement tout, et réflexion ça souvent, et nous, réflexion ça, et quand pile là-dedans, c'est suite à réflexion et qui permettent que gagner des efforts qui fait au niveau de la police nationale. Et pour nous tourner sur la question concernant Tabar, effectivement, nous constatons les situations hein, et nous prenons note des situations, mais nous ne pas prêter seulement constater et prendre note. C'est simplement la prêter pour nous agir, pour que nous soyons capables de mettre des stratégies en place, pour capable permettre que la vie tourne dans la zone ça, également dans toute notre zone. Yo. Et Guerrier et Johnny, ou qu'à connaître, ou qu'à comprendre tout, et nous connaissons tout, des efforts que la police déployait malgré les situations, malgré les mecs moyens au niveau matériel. Parce que il faut ça, et déployer, c'est d'abord objectif, c'est permettre que nous soyons capables d'aller en souffle, que nous avons dit ça tout, et tout, ouais, tout effort ça, et
même policiers, et Jean, je vous ai dit tout à l'heure, victimes de situations. Policiers victimes de situations, c'est parce que tout simplement, gagner la police nationale, policiers, qui comprennent la situation et qui connaissent tout que la vie et ensemble de matériel, ça lié pour la population, reposer sur eux. Et où est souvent que nous perdons la vie, nous, dans des situations. Nous avons considéré ce qui est passé, nous avons considéré l'effort que la police fait, victime que victime dans des opérations que la menée, et nous avons des policiers, et il y a plusieurs qui malheureusement quittent nous, mais c'est du monde qui était baillé tête, qui était baillé tête à sécurité pire. Considération ça que nous avons fait, et nous avons analysé, et nous croyons que la presse lui-même joue un rôle important dans la question de sécurité, et tout à l'heure, dans le point que nous faisons, nous avons dit tout, et c'est aider la PD de ce côté-là. Et nous croyons que Elsa, il est bon pour nous, et il est bon pour la police, il est bon pour la société en général. Parce que ça, on va dire là, considération que nous faisons, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas Johnny seulement qui a fait, ce n'est pas guerrier seulement qui a fait, mais c'est exprimer, paroles et qui sortent de la population qui permettent que nous fait constat ça et qui permettent tout que nous fait réflexion ça et nous fait considération et nous tout notre travail considération ça tout nous tendez tout conseil que au bail tout et pour que nous analysions ensemble pour que nous capables agir et permettre que ensemble population avec la police nationale pas simplement la police nationale mais tout acteur qui est dans la chaîne sécurité pour nous capables faire travail et soit énorme au niveau PNH là et nous connaissons la situation, nous ne connaissons pas les mêmes sur les questions logistiques et matérielles. Et on dit toujours, lorsqu'on prend un policier, par exemple, policier de circulation, qui est mal équipé au niveau équipement, mais quoi que ça, c'est job effectivement, mais vous sentez que le soleil, vous sentez que la pluie, que le campé, la fait circulation. Parfois, il compte 2 graines, il compte 3 graines. Et là, tout, il faut nous croire que la population, en tout, son population jusqu'à présent, capable de population paisible, malgré la situation où 2 graines, mais où est-ce que dans la population, il y a fait travail par eux. C'est certain que dans pile travail qu'il faut faire encore, et un travail énorme, c'est certain que ça nous fait eux, tellement travail énorme, il n'y a pas qu'à cadrer justement à ça. Je veux dire, mais je pense que, compréhension est fort, que souvent que nous-mêmes faisons au niveau radio et nous croyons que là, on a avancé plus de manière même les situations, même les niveaux matériels, mais avec le peu qu'on va faire, ça nous va faire. Oui, donc pour me retourner avec les questions, donc tabac, nous pouvons contrôler. Et nous, on prend ensemble des formations qui dérivent des jeunes de surtout côté Bacaraïa. On s'est parlé avec Dédéo, il t'expliquait une situation, et malheureusement, gagné pour plus petit, on a bien 2 personnes qui mourent, et c'est encore très grave et très triste, toute situation ça. Et il y a des configurations qu'on a réalisées dans un Zayo, regarder côté parfois négio les officiations ils vont aller c'est des côtés qui gagnaient du monde qui gagne des rager et côté que les capables poser un problème de difficulté et c'est là justement que nous faisons appel à d'autres instances dans ce statut pour qu'on va aider nous mais c'est concernant ça d'abord hier les situations de gagner et des patrouilles qui étaient montées dans la zone. Mais pendant pas la volant, et c'est certain que beaucoup de journée a gagné des mesures de renforcement pour que la police elle-même et beaucoup de palais capable d'aller dans la zone. Et encore, il est important pour nous de solliciter collaboration et population et monde qui vivent dans la zone. Après ça, village des dieux, nous songe et ça gagne un bon bout de temps depuis que tu gagné opération qui t'a fait là dans lui. Même nous pas tant rien, seulement la police a dit empêcher monsieur sorti mais pas gagne attaque qui fait. Alors, dans la question stratégie et surtout au niveau de la police, nous suite à sur 3 considérations. Et isolement, démantèlement
et consolidation. Bon, c'est un peu le débat qui est fait sur consolidation, et bien, même quand on dit ça là, la police mène une opération bien long quartier, puis la police pas là. Ça, c'est là, ça, c'est en considération au niveau stratégique. Mais là, les mêmes questions pour consolidation, et nous pensons que tout là, il faut que au commandement de réfléchir un peu sur ça pour garder qui moyen et pour faire. Parce que pour consolider les zones là, c'est des côtés où on regarde si la police fait une opération dans le monde, et donc, pas gagner et pas de commodité. À savoir où est côté à pas des courants, où est côté à même tout même difficile, la police a d'accord avec moi, la protéger population, mais il faut protéger tête et tout. Ça, les populations tout comprennent ça tout. Mais la stratégie, il y a des mesures d'isolement qu'on va faire, et puis démantèlement, quand il y a démantèlement là, les parlementaires, ils ont tout un plan d'opération, et tout un plan d'action pour qu'on va arriver là. Mais en attendant, je vous dis tout à l'heure, et la police est prise en son accent, et sous côté que qui est assez libre et côté que nous là nous prenons mesure d'isolement et pour le moment au fur et à mesure n'a pas ces étapes parce que stratégie et c'est analysé et après des situations et après des interventions faut qu'on fasse des briefings pour garder côté effectif et pour côté corruption. Pas de parole avant de quitter région métropolitaine pour d'après ça pour me poser une question sur la Tibonite. Il y a un pile monde qui croit que véritable défi au commandement dans le moment où on a parlé là, il était écrasé barrière avec vite l'homme. Et en plus, le monde conclut, si il appuie sur le dernier, si dans le dernier événement qui produit avec Gangsa, il mettait en déroute la PNH. Donc, est-ce que vous êtes au niveau de la police nationale d'Haïti, du commandement, nous conscients de ça et nous discutons sur ça, nous entendons porter des éléments de réponse à ça? Moi, c'est certain que le mot déroute, et connaissant mon ami et Johnny, et c'est un mot que le dame même dit, parce que il dit déroute là, dans perception ou bien dans considération qu'on a fait, ça a capable de bandits, et qui a créé situation difficile, qui a empêché la population vaincre pour activité, au côté que la population victime de yo, et violée yo, et on a dit ça tout à l'heure à tout, et fait ensemble de. Et le terme des routes, et nous-mêmes au niveau de la police nationale, c'est nous refuser et nous ça, bon, peut-être pas bon, parce que pour qui ça, et c'est parce que même les situations difficiles, mais nous, et des situations, nous portons des attaques, et attaquer, nous connaissons ça à la côté, et qu'on coûte à la vie, nous tout. C'est pour nous montrer que le terme ça, lui-même, pour côté par un H là, nous, et dans ces couleurs-là. Oui, non, mais pas de parole, peut-être qu'il y a une opération dans la zone ça, qui t'a marché, tout le monde t'a attendu que gang crasé barrière pour démantelé et pourtant quelques jours après opération campée tout probablement pas connaître ces policiers retourner dans base et puis qu'on y a crasé barrière pour recommencer à frapper mon encore. Nous sommes honnêtes et sincères et t'as bien plus dernière situation Sahéo et montrer effectivement que monsieur Sahéo le prend service et encore je vous dis tout à l'heure t'as bien des efforts et qui t'es fait la donne alors c'est là que on va parler de consolidation hein, espace là et ça va demander un ensemble de moyens logistiques pour le faire et pas que l'abdé doit aller nous le sano bien la pourtant réponse de manière pour que nous capables de défendre et ça qui est défendre. Mais au niveau de l'institution, hein, et nous connaissons tout effort qui a fait malgré les mêmes moyens. Alors, et permettre que je me tourne sur la question de route et considération ça que Johnny te fait. Hein, et pour nous dire que nous n'avons pas en déroute, qu'il y a des situations, nous conscients, qu'il y a des situations qui sont difficiles, des situations qui demandent une réflexion beaucoup plus approfondie, demandent. Stratégie de manière pour que nous soyons capables d'aborder mieux. Mais et encore, n'a pas sollicité tout, population et la papérie, zone, ou tout est côté comme zone, oui, on a parlé de zone tout à l'heure, qui était en cours, qui est malgré ou même, il était préparé ce passe-là, et policiers beaucoup arrivé la donne, oui, policiers beaucoup arrivé la donne, mais il y a un pile et un pile effort qu'a fait au niveau de la direction générale là, pour nous garder stratégie de manière pour que la police soit capable de retourner dans zone. Ça et la police est tournée pour population toujours côté collaboration. Porte-parole, dernière question pour nous finir et les concerner la Tibonite. Depuis le policier, il y a un coup, hier, nous t'ai évoqué ça.
gagne des dispositions nous t'attendez qui t'apprend yo même t'ai changé directeur départemental police là dans la Tibonite li bay conférence li parler dans la presse il y a des annonces qui fait il y a des engagements qui prend mais jodi a là nous pas besoin de lunettes si nous regardons dernier événement dans la Tibonite démonstration de force de deux principaux gangs dans la Tibonite à savoir gang Savien base gang Griffe ensemble avec gang Cocoat sans race tout ça que fait yo nous la police est aux abonnés absents si bien que nèg yo à l'aise pour kidnapper pour détourner marchandises pour violer pour tirer sans yo pas joindre aucune force qui empêcher ou faire ça donc qui le moun la Tibonite jodi a la capable ouais ak DGO on la police qui non seulement efficace mais qui a fait opération qui a pris des initiatives pour couper zak bandi parce que yo estime ça pas jamais fait depuis après incident et nous après ces questions hein, et j'en posais le tout et hier Kassa, je te dévoile avec responsable policier et si je ne me trompe pas, il y a des petites réunions que nous disons ouais, mais bien que nous ne participons pas à la réunion. Et c'est certain que la situation arrivée, écrit ça arrivée, côté que tout on zone, tout on département, tout on espace abrélé, et c'est des cris qui touchent la société et qui touchent nous tous, et gagner des réflexions, même gagner des réunions et qui planifier pour que nous garder pour nous d'abord faire analyse des situations hein, et pour nous faire et analyse même au niveau de sécurité et pour que nous mêmes dans et bon, donc bon, on l'a exactement pour que nous capable faire intervention la dernière mais on va dire d'abord efficace c'est ça que nous mêmes que toute police au monde t'aime et c'est ça que au niveau la police nationale d'Haïti t'aime tout c'est efficacité hein. Mais et dans la police côté qui avance efficacité à marcher ensemble et de matériel et marcher ensemble de bagages qui pourraient réunir pour que les rennes et policiers soient efficaces c'est justement c'est EFOSA qui a fait et c'est EFOSA tout que nous toujours demandé et nous pouvons tout nous lien des pays et des amis qui et qu'on peut des appuis dans ce sens là il y a l'État à tout et gouvernement tout qu'on peut des appuis dans ce sens là et nous pensons qu'il faut au plus de manière pour que nous capables d'aborder qui sont ça et pour une fois pour toutes pour nous d'abord améliorer moi je dis améliorer situation au niveau de l'Antibonite là effectivement avec un appui population d'Antibonite là mais dès que tu as gagné des évolutions au niveau de stratégique ça fait bien que tu vas pas dire publiquement ensemble de stratégie mais c'est certain que il y a des signaux que quoi vous voyez et qu'il faut comprendre que nous mêmes il y a des mesures que nous devons appropriées. Merci un pile Gary Desrosiers commissaire n'a pas appelé ou ses porte-parole institution police là nous t'es content fait y parler ça à coup dans un contexte particulièrement difficile pour le pays d'Haïti. Information après à poursuivre sur antenne Caraïbes FM, il y a un journaliste et association. Si on parle avec nous, même si le pape long, même si on peut parler avec le pays. Mais comme d'habitude, il y a trois personnes qui toujours salé dans l'émission. Après, il y a pour qui ça. Là, on finit pour comprendre pour qui ça. Aïssa Wévé. On a toujours salué le juge Aksime. Qui te font jugement, tout a été levé contre lui, et puis le jugement s'est arrivé dans le tribunal. Dans le moment, problème entré Dadou Jamba avec FIFA, Jurio, il a félicité le juge là. Il a dit qu'il a raison, son groupe professionnel. Alors, et après, j'ai parlé de l'appui d'elle. Nous toujours parlé de Dadou Jamba pour cause 25 stades qui ont demandé pour le point, pour le mettre sous bannière. Et Fédération football haïtien hein, qui pas fait Haïti qui a monté dans football cap ba Mexique cap ba États-Unis cap ba ensemble avec Canada problème le fait que football haïtien vient trop haut je dis à déstabiliser football haïtien je dis à mes résultats là et puis troisième moment c'est docteur Marie Liliane Védric qui lui-même une jeune femme qui même est partie depuis elle était 13 années et puis elle vient réussir dans la ville et puis elle vient d'Haïti elle vient des pays haïtiens et puis au kidnappé elle fait hôtel elle fait salle fait tourner et visionnel j'en dis là
côté a fait créer côté a pour le monde vient habiter des forces et puis au lieu que mon rela moi pour ça supporter yo dit c'est lig bay hôtel ça veut dire bagay ça m'a regardé dans société a bref maintenant gagne de seul Johnny Ferdinand j'ai situation il là une qualité importante de parler avec non seul bagay avant même moi vers sur question insécurité a ou en monde classe moyenne yo soit disant classe moyenne on va dire que là on classe tout gros soit disant classe moyenne tendez bien ça m'a dit non m'a parlé avec nous sur antenne radio Caraïbes matin qui c'est mardi 25 juillet 2023 25 juillet 2023 on parle avec nous notez ça m'a dit nous là on va adresser à nous qu'on est bien mon classe moyenne yo soit disant classe moyenne yo c'est nous mêmes qui risque société a est-ce que nous chita un jour pour nous pour miwa pour garder tête non en tant pays a regardez nous haïtiens qui n'a business yo nous pas éclater nous toutes regardez nous professionnels yo pas espoir pour nous encore regardez nous policiers yo économistes nous yo gestionnaires nous yo pasteurs yo pères yo médecins yo professeurs d'école yo ingénieurs nous yo pas d'espoir pour nous encore agronomes nous yo comptables yo avocats nous yo employés l'état yo employés banque yo journalistes yo pas d'espoir pour nous encore ma vie là pour venir faire nos paix même venir pas nos vérités si mon ça yo pas yo en danger yo pas comprendre rien à rien. Allez, ouais, pour ouvrier, personnel santé, sécurité, gardien, c'est avant. Équipe mal, paysan, chauffeur, toute qualité chauffeur. Jean-Marie là, il a pas même parlé, besoin de parler des chômeurs, monde qui est dans la section communale, dans la ville, dans le ghetto. Caraïbe, matin, je vais parler à vous. Pour me dire, monde, qui travaille dans la bolette, il y a toute ambition. Nous allons l'éliminer, nous allons dire, nous. Je ne suis pas venu pour nous faire nos paix. Mais nous en danger pays. Nous en danger pays ici. Attendez bien, Gaël Dessert. Attendez bien, Donny Ferdinand. Nous avons regardé la situation pays. L'entendez ce qui a passé dans la Tibonite. Dans la zone Ferret. Dans la zone Liancou. L'entendez ce qui a passé dans la zone Tabac. Et en pile l'autre côté dans le pays. Puis, gars, nous pensons, son bagage qui fait par hasard, nous payons. Et là, nous avons un grand pile qui comprend. Dans le monde, quand c'est général, nous devons l'ambassade américaine. Pays, attendez bien. Sur le plan économique, nous avons un déficit budgétaire qui évalue à 80 milliards de gouttes. Là, nous disons un déficit budgétaire de 80 milliards de gouttes. Qui est allié? Ça veut dire encore la vie chère pour l'augmenter. Ça veut dire encore la misère pour l'augmenter. Pas de projet qui fait dans le pays. Nous n'avons pas de parlement à payer. Nous n'avons pas de députés, nous n'avons pas de sénateurs à payer. Nous n'avons pas de président dans le palais national qui a dépensé l'argent. Pourtant, nous avons un déficit budgétaire. 80 milliards de gouttes. Pendant deux conseils ministres, 150 millions de dollars américains débloqués pour aider Maliri. Pas bon monde qui veut bagaille ça à côté le passé. Gaz la montée. Non, marché international là. L'État ici a augmenté gaz là son nom. Le triple prix à son nom. Je tiens gaz là, baril pétrole là descend à moitié. L'État ici a retiré 10 gouttes seulement, peuple haïtien. Comme l'État fait dans l'immigration. Mon yon a l'embanque. Je ne peux pas jouer une cob, c'est mon bagage par hasard. Les Haïtiens prêtent cob, nous, Haïtiens, les États-Unis qui doivent prêter cob dans le trésor public, le gouvernement américain qui doit faire ça. Mais le gouvernement américain qui est là, il y a 20 machines, il y a 20 armes, il y a un pétrole pour remplacer cob ça. Nous-mêmes, les Haïtiens prêtent cob, nous déposer dans la banque, yo. Je prends cob, nous allons acheter gaz, je prends cob, nous dépenser, je n'ai pas de moyens pour remplacer. Okay. Et tu restes là. Mais ces banques, ils prennent, ils prennent des grenades pareilles. Ça vient de faire nous-mêmes.
qui dépose comme dans banque yo n'a cherché l'argent nous on dit nous pas gain l'argent hein sénateur Moïse on dépose $100,000 avec la banque ou à l'acheter Panama ou à l'acheter la Chine chaque jour vend ou à le déposer comme dans banque banque quand j'ai 1000 les banques comme la même et puis les banques vont renouveler stock ou on dit pas gain l'argent peuple haïtien inflation a monté depuis mai 2023 4%. Ça veut dire, sur Antenne Radio Caraïbe, nous voulons faire un appel à citoyens. Vous avez bien, oui, Gadio Sel, Johnny Ferdinand. Yon conteneur, Johnny, j'en moun machin, nous l'avons là. Je te compte dédouané, 3 ans de fait là, 2 ans de fait là, 75 000 gouttes, 100 000 gouttes. Je te compte 1 million, 2 millions de gouttes, y'a dédouané, et qui est escapé. C'est malheureux. Peuple haïtien, nous avons pile au champ, nous avons pile chantage pour douane cap collecter en pile l'argent, 18 milliards de gouttes. Bon, bravo! Est-ce que nous ne connaissons pas? On nous débat bravo, même gouvernement de facto ça. On l'a débat bravo, l'a dit, lui connecter 18 milliards de gouttes. Au contraire, gouvernement. C'est crier pour te crier. Là, on connecte avec l'argent. Ça veut dire que c'est malheureux qui paye ça. Je dis, il y a une machine qui a dépanné 100 000 gouttes. Là, on a dépanné même machine ça. Je dis, pendant ma parole, voilà, 1 million gouttes. Nous sommes 100 000 gouttes, il y a 1 million gouttes. Sénateur Moïse. Sénateur Moïse, nous quittons faire un panorama et d'entrée de jeu de Sangue là comme réalité, notamment sous plan macro, mais banon et d'autres rapidement à travers certaines questions beaucoup plus directes. Par exemple, question insécurité, n'a vive la situation chaotique pays a connu là, sénateur Moïse. Plusieurs yeux avisés et conclu ça, lycée résultat ou ensemble de décisions politiques qui prend par le passé, c'est pas un hasard qui fait n'a vive journée jeudi à là, ou même ou t'es ancien magistrat. Ou t'es ancien sénateur de la République, ancien conseiller politique en président, ou fait partie d'une classe politique entre guillemets. Jodi a qui sa responsabilité pour y est dans sa nab vive jodi a selon ou même? Très bien. Je dis paysan, moi je ne parle pas en politicien, moi je suis un homme politique. Nous précisons ça pour tout le monde. Nous avons joué le rôle, nous. Et quand on a la parole, je ne suis pas mal. C'est l'intendant Sénat République, non? Bateau Zam dans le débarqué. C'est ma. Là, nous, quand on n'a pas annoncé ça. Au contraire, tout sénateur, on ne peut pas dire toute majorité, en pilant, yo, député du peuple, peut-être à l'ambre, mais on te préfère le prendre l'eau Zam pas autour. On songeait qu'on est Ferdinand, on convoquait ministre justice, là, en plusieurs occasions. Avec directeur police nationale là. À l'époque, c'était Pierre Fanky qui était responsable commission justice en Sénat République là. On était déshabillé directeur police avec ministre justice qui est au même, qui était débarqué CEMAC. Les employés, ils ont bloqué les conteneurs. Malheureusement, on a eu des gens qui te mettaient main ensemble avec nous. On était écrasé. Complot ça que t'as monté sous tête peuple haïtien. Malheureusement, c'est où t'as combattu. Nous pas la rue. Nous t'as dit haïtien yo. Mais quand nous pas le tomber, nous t'as même dit, monde qui parle bien, l'argent qui parle bien, femme, c'est monde qui parle bien, zam dans les yo. Nous même toute classe moyenne, ça qu'elle fait noir, c'est pour empêcher nos bougeons de payer. Pour eux même, y a un contrôle payer. Je veux dire, ça qu'a fait là. Qui m'a jamais sorti, c'est aux États-Unis qui sorti. Majorité des hommes qui entrent. Si un mec n'est pas te vle, Zam pas ta pantré. Zam pas ta pantré. C'est tout un complot international, national que nous prenons pays. Peuple haïtien, Johnny Ferdinand, Moïse Charles, organisé en pile conférence. Nous relais. Nous prenons décision, nous cherchons alliés pour nous combattre. Initiative. La droite, un système économique, un marché économique, qui a effacé nous avec un international.
tampon, volume ressources naturelles. Nous avons dans le pays.